Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour comparer la Fennec de Modern Warfare et la Fennec de Modern Warfare 2, du coup sur Warzone Caldera et sur Warzone 2.0. Donc voilà, et on se retrouve à la fin pour les classes, et on commence par Warzone Caldera. L'équipement est en route. C'est bon, leader. Lancez l'appareil de reconnaissance. Le drone commence son survol. Quoi? Le drone est à court de carburant. Il rentre sur ravitaillé. Je ne dirige pas. Ok. Ok. Coordonnées transmises. Balancez la sauce. Compris. Frappe à dispersion imminente. Ça va aller. On a besoin d'un appareil de reconnaissance. Le drone commence son survol. On avance. Le drone est à court de carburant, il rentre sur ravitaillé. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. On a besoin d'un appareil de reconnaissance. Le drone commence son survol.
Le drone est à court de carburant, il rentre se ravitailler. Drone ennemi actif. On a besoin d'un appareil de reconnaissance. Le drone commence son survol. Soit vous perdez, et tout s'arrête ici. Montrez que vous pouvez encore vous battre, soldat. Ah, oh, j'étais nul, putain. Je vais me venger, bro, je vais me venger. La cible prioritaire a été. Wouah! C'est fou! Dans la zone des opérations.
Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. Du coup, pour la classe Fennec de Modern Warfare 2019, c'est la classe que j'avais déjà présentée dans mon ancienne vidéo, la méta sur Caldera, avec donc le canon ZLR 16 pouces Apex qui permet donc portée de dégâts, vitesse des balles, contrôle du recul. C'est pour moi le meilleur canon, même s'il n'y a pas de silencieux, mais au moins il est dévastateur avec le laser 5000 watts pour tout ce qui est donc tir au jugé, cartouche. 40 le maximum parce que ça part très vite et comme ça part très vite on met tour de passe-passe pour recharger rapidement et pour un maintien du contrôle et une précision de tir au jugé, poignée avant de mercenaire. Hey yo, c'est Rookie, du coup pour les classes, la Fennec de Modern Warfare 2, Warzone 2.0, j'ai essayé de faire un build qui était globalement similaire à celui de Warzone Caldera ou Modern Warfare avec un chargeur maximum celui de 45 cartouches, une poignée avant de mercenaires pour le contrôle du recul et tout ce qui est précision du tir au jugé avec l'ajustement suivant contrôle du recul au jugé et précision du tir au jugé au maximum. Le canon qui ressemble à celui que j'ai utilisé sur Warzone Caldera, le canon Ignition ZLR 16,5 pouces qui permet portée dégâts, vitesse des balles, précision du tir au jugé, c'est le meilleur. Et contrôle de recul, c'est le meilleur pour moi, avec un ajustement suivant, qui est stabilité du recul, portée dégâts au maximum. Laser .G3P04, qui est un laser en fait qui rend du 5000 watts, hein, vitesse de marche au jugé et vitesse de transition du sprint de tir au maximum. Et donc ça permet surtout contrôle de recul jugé, pression de tir au jugé et cadence de tir améliorée en sprint. Et enfin, n'ayant pas tour de passe-passe sur ce jeu, j'ai mis une poignée arrière, poignée en caoutchouc, si j'ai pas de bêtises, caoutchouc Fennec, qui permet donc cadence de tir améliorée en sprint et visée accélérée avec ces deux paramètres au maximum. Honnêtement, je préfère largement la Fennec de Warzone Caldera. Pour moi, celle-ci, elle rayonne un peu moins sur le jeu. Sur Warzone Caldera, je trouve qu'elle est un peu plus forte. Voilà, après c'est mon avis perso. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay, et je vous dis ciao ciao!